Run it up. Avant d'ouvrir, c'était beaucoup de conseils et beaucoup d'accompagnement. C'est du soutien. C'est le soutien qu'on a toujours aujourd'hui. C'est une famille. Ouais. Et on aime bien ce côté réseau, on est restant indépendant. C'est ce qu'on voulait en fait. Ouais, voilà. Moi typiquement j'aime beaucoup le magazine, généralement d'ailleurs quand je passe chez BDNet je le prends en partant à la caisse parce que je suis pas très au fait forcément des sorties et avec le magazine j'ai un petit résumé, j'ai ce qui va sortir, chez qui, des petits résumés en plus qui vont me guider un peu sur mes choix que j'achète aussi. Canal BD, ça m'inspire l'extension du territoire. Il y a tellement de Canal BD dans toute la France, tellement de librairies. Ils sont vraiment en place. Pour le quiz, j'ai rencontré l'équipe. Et c'est vraiment de la bonne ambiance, de la bonne humeur, un bon accueil. Donc voilà. Sur le stand de Canal BD, j'ai fait 4 quiz. On avait fait gagner des petits cadeaux et tout. Bonne ambiance, c'était cool. Franchement, à refaire. Canal BD, le livret indépendant, associé. C'est une force énorme, j'ai l'opportunité de connaître quelques-uns. Vous êtes une armée silencieuse à vendre les bouquins, à nous soutenir. Merci énormément. Alors Canal BD, ça m'inspire beaucoup de très belles rencontres. C'est vrai qu'on a fait déjà pas mal de signatures chez des libraires du réseau. Et à chaque fois, c'est vraiment, on est accueillis très bien. C'est des belles rencontres humaines et des beaux moments partagés. Et c'est vraiment cet aspect humain moi, que je retiens. Et j'ai pu découvrir davantage aussi les coulisses de cette profession. Et le rôle vraiment crucial que les libraires, et notamment les spécialistes BD, avaient dans la carrière et le destin d'un ouvrage. We'll